T'avais vu venir le coup, toi? Si vous faites du mal aux nôtres, je vous le ferai payer. Ouais, non, je suis pas méchant. Je veux juste tester un petit truc. Ouais. La dame de Skelltech m'a dit un truc. J'ai voulu tester. Discuter. L'énergie des drones. Tous ces drones, ça doit biberonner un paquet d'énergie. On utilise plus d'électricité qu'un pays du tiers-monde. Donc si on débranche la prise, c'est toute l'opération qui capote. Il n'y a pas de prise. Toute l'île est alimentée par un réseau électrique renouvelable. Il y a plusieurs sources d'énergie et aucune n'alimente tout. Et toutes les sources sont renouvelables. Aucune n'a besoin de carburant. Vous avez bâti une armée de drones mortels à l'énergie illimitée et personne ne s'est dit que ça pourrait poser un problème. Skell a insisté pour que l'énergie provienne de sources écologiques. On a le réseau électrique le plus propre de la Terre. Et aussi le plus cher. C'est peut-être à cause de gens comme vous que Skell a dû construire son utopie ici, au milieu de nulle part. Des sources d'énergie renouvelable, il y en a combien? Il y a une immense centrale solaire à côté de Liberty et des éoliennes sur la côte ouest. Il y a aussi les deux centrales géothermiques de Channels, entre les îles, qui sont alimentées par l'eau froide de l'Antarctique et l'eau chaude du Pacifique. Il doit bien y avoir une sorte de batterie pour stocker l'excédent d'énergie. Il y a un barrage au nord de Liberty avec des volants d'inertie. C'est là que l'énergie est stockée. Pourquoi on pourrait pas couper le courant? C'est pas possible de désactiver les essaims juste en pétant le boîtier électrique? Ce réseau électrique est un modèle d'énergie renouvelable et vous voulez le détruire? En plus, c'est pas si simple. Il y a des générateurs de secours pour les générateurs de secours. Et si ça suffit pas, il y a de l'énergie stockée dans les volants d'inertie. Désolé, mais Oroa ne sera jamais dans le noir. C'est ça le plus flippant à propos de votre monde 2.0. On peut pas le réinitialiser. À la prochaine. Ouais, salut. Oroa ne sera jamais dans le noir, grâce aux énergies renouvelables. Eh bien, on va tester. On va aller au port. Parce que c'est un endroit où c'est relativement facile d'accès. Et on va faire un petit essai. Donc entre la géothermie, les éoliennes, le solaire, bon, le barrage, les volants d'inertie, tout ça. Aucun risque, je vais galérer. Là, par exemple, s'il faut que j'aille investir ce port là, ça va être compliqué parce que bon, il y a plein de lumière, il y a des sources d'énergie partout. Tout va bien. Alors on va chercher le générateur électrique. Il est là-bas le générateur électrique. Voyons. Alors, mon TAC 50. On va essayer de mettre une balle. Je crois que j'ai raté. Ok. Ah. Ah bah il fait noir. Je sais pas quel électricien qui a conçu le réseau électrique de ce truc, mais... ça m'a pas l'air très performant. Non ?